La première des techniques de pêche que je vous propose d'étudier maintenant, c'est la pêche avec des appâts naturels, qu'ils soient vivants ou morts, en pêchant avec un flotteur ou opposé. Le secret de cette pêche-là, c'est avant tout une pêche de sensibilité. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des montages qui soient simples, mais très efficaces. Pour cela, il faut une canne d'à peu près 3,50 m à 4 m, comme celle-ci, qu'elle soit télescopique ou non, avec une puissance de l'ordre de 40 à 80 grammes. Un moulinet simple, dont la seule qualité qu'il doit impérativement avoir, c'est un frein très très progressif. Les sandres ne sont pas des poissons de grand sport, mais ce sont des poissons extrêmement malins, donc il va falloir pêcher relativement fin. Nous allons maintenant faire le détail du matériel nécessaire pour pêcher le cendre, et en commençant par les moulinets. Ici, vous avez le moulinet, la taille du moulinet pour pêcher le cendre dans des grandes rivières, genre Rhin, etc., où il faut pêcher parfois très loin. Donc il faudra un moulinet un peu plus important, genre moulinet carpe, avec une grande bobine pour dévidement du fil, une contenance de fil d'à peu près 200 mètres de 30 centièmes et un frein très progressif. Ensuite, vous avez le moulinet pour pêcher dans les grands plans d'eau, il faut lancer très loin. Le moulinet est un peu plus petit et on doit quand même lancer très loin. Mais il n'a pas besoin d'être aussi stable qu'un moulinet pour pêcher en grande rivière. Et ensuite, pour pêcher en plan d'eau normal, c'est-à-dire en étang ou alors en gravière ou alors en petite rivière, un petit moulinet comme ça, qui contient à peu près 150 mètres de 25 centièmes, suffit largement pour venir à bout de n'importe quelle cendre. Quel fil doit-on employer? À mon avis, et pour pêcher à peu près n'importe quelle cendre, le diamètre idéal d'un nylon, c'est du 25 centièmes. Maintenant, qu'il soit fluo, qu'il soit transparent, ça c'est une affaire de goût des pêcheurs. Mais enfin, disons qu'un 24 centièmes comme celui-là, qui a une portée de 4,5 kg, suffit largement à venir à bout de n'importe quel cendre. À l'heure actuelle, nous avons une évolution qui délaisse le nylon pour venir sur des multifilaments comme ceci. Les multifilaments, ce sont des tressés qui ont l'avantage d'avoir, pour des diamètres beaucoup plus faibles, comme celui-ci, 16 centièmes ou 18 centièmes, une traction de à peu près 8 à 9 kg. C'est énorme par rapport à celui-là qui fait par exemple 25 centièmes, qui n'a que 4 kg. Ces multifilaments sont très bien, ils ne sont pas extensibles, ils transmettent très bien les touches, mais ils ont des avantages, c'est sûr. Par exemple, quand on pêche en milieu encombré, genre rivière ou alors où il y a des nénuphars, ou alors en étang où il y a beaucoup d'herbes, un multifilament comme ça, tendu, cisaille très bien tous les herbes qu'il y a au fond. Mais seulement, ils ont aussi les qualités de leurs défauts, les défauts de leur qualité, comme vous voulez. C'est-à-dire que si vous restez accroché avec un multifilament et que vous avez un hameçon qui ne s'ouvre pas, là, ça va être la galère pour se décrocher, parce qu'on ne sait jamais où est-ce que le fil risque de casser. En plus, il faut dire aussi que sur les multifilaments de faible diamètre, 16-18 centièmes que je conseille pour le cendre, il faudra systématiquement coller tous les nœuds des hameçons, parce que ceux-ci ont tendance à glisser. Ou alors il faut faire des nœuds doubles très bien faits, mais je dis bien vraiment très bien faits, ou alors systématiquement coller tous les nœuds si on ne veut pas avoir de désagréments, que les hameçons ou les nœuds sur les émerillons glissent tout seuls. Passons maintenant au chapitre flotteur. Qu'est-ce qui fait la définition d'un bon flotteur à cendre? Un bon flotteur à cendre doit être le plus hydrodynamique possible, c'est-à-dire que ça doit tous être des flotteurs extrêmement fins, longs, qui offrent le moins possible de résistance dans l'eau. Les cendres sont des poissons extrêmement méfiants. Et croyez-moi, on a fait souvent l'expérience qu'en pêchant avec un flotteur et un fil de 40 centièmes, où le flotteur est équilibré très exactement, c'est-à-dire ici en bas de l'antenne, on prend plus de poissons qu'avec un flotteur et un fil de 25 centièmes, seulement si le flotteur est équilibré ici.
Le cendre est extrêmement sensible à la résistance, à tout ce qui n'est pas, ce qui n'est pas normal. Alors les flotteurs qu'on a ici sont tous extrêmement longs. Ils sont ici comme celui-ci en flotteur fixe, qu'on peut utiliser pour des petits fonds. Vous avez les mêmes en flotteur coulissant, tous avec soit une gélule en haut ou une gélule en bas, et une grande antenne qui permettent une meilleure visualisation de la touche quand on pêche à grande distance. Ceux-ci sont des flotteurs coulissants avec coulissage à l'intérieur. Ici, j'en ai un coulissant avec le fil qui passe à l'intérieur. Vous avez des flotteurs un peu plus spéciaux, qui sont les flotteurs comme ceux-ci, avec une antenne creuse, dans lequel on peut mettre à l'intérieur un bâtonnet lumineux pour les pêches de matin de bonne heure ou de soir tard, de manière à mieux voir où on pêche et quand il y a une touche. Le dernier espèce de flotteur, c'est un flotteur qu'on emploie également pour la pêche du brochet. C'est ce flotteur-là. C'est un flotteur qui est surtout pour pêcher en eau calme et quand on a le vent dans le dos. C'est-à-dire que quand on pêche en eau close, on lance et si on a le vent dans le dos, le vent se prend dans l'ailette qu'il y a ici et s'en va. C'est-à-dire que ça va toujours éloigner le vif qui a toujours tendance plus ou moins à revenir au bord. Le plombage pour pêcher au vif, c'est extrêmement simple. Il suffit de mettre une olive, en principe exactement de la portée du flotteur, quoi, en prenant soin de mettre en dessous de cette olive une perle en plastique ou en bois, en dessous qui va protéger le nœud de l'émerillon des chocs du plomb et une perle supérieure qui va empêcher le flotteur de passer par-dessus le nœud du stopper qui se situera 4 ou 5 mètres plus haut. Et puis c'est tout. Il y a quand même un truc où on peut pêcher avec un flotteur en pêchant ce qu'on appelle au surplombé. C'est-à-dire que je prends l'exemple de là, qui est un flotteur qui porte 4 grammes. J'ai ici très exactement 4 grammes, mais ces 4 grammes-là vont être prévus non pas pour équilibrer le flotteur, mais pour être posés au fond. Et il va falloir mettre ici sur la tige du fil de plomb d'une valeur de 4 grammes, c'est-à-dire que la ligne va rester au fond et le flotteur, comme il va être prélesté à 4 grammes, quand un poisson va tirer dessus, il n'aura absolument aucune sensation de résistance parce que le flotteur s'enfoncera pratiquement lui-même. Et à ce moment-là, le but de ce petit plomb-là, ça sera de maintenir la ligne en place sur le fond. C'est une méthode de pêche qu'on appelle le surplombé, mais qui est pratiquement surtout valable en étant en eau close où il n'y a pas de courant qui risque de tirer sur le flotteur.
Thank you.
Thank you.
ancien moulin. L'heure qui est ni plus ni moins que l'heure rotatif style cuillère.